Salut Defshot, comment tu vas? Je vais mettre ça comme ça, ce sera mieux. Bon. Nickel. Donc je vais juste un petit peu baisser la musique, parce que ça me stresse. La musique comme ça. Hop. Voilà. Salut Izzy, comment tu vas? Bah bien et toi, bah, pareil, super bien même. Donc aujourd'hui, bah bienvenue aux 4 personnes déjà présentes sur le live. Puis aujourd'hui les gars, ce qu'on va faire c'est... en gros je vais créer mes overlays voilà, sur Photoshop, donc c'est vrai que j'ai quelques petits talents, entre guillemets. Enfin c'est pas du talent mais... Mais je suis un serveur de Photoshop, voilà, et j'avais envie de me faire mes overlays. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas les faire en stream. Donc, ça permet d'un peu de vous diversifier des choses. En ce moment, j'essaie de bien reprendre les lives. Que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Et donc, je me suis dit que j'allais vous partager tout ça. Donc, là, on va se retrouver du coup sur Photoshop. Et donc, je vais déjà vous faire voir voilà ce que je partais sur au niveau des overlays. Par exemple pour le live que j'ai actuellement, voilà je suis là dessus comme overlay, donc bon c'est pas très travaillé ni rien, et j'avais envie de faire un truc vraiment plus travaillé quoi. Donc aujourd'hui je vais vous faire les overlays de début, de pause, de fin de stream et mon overlay de jeu sur BS. Donc non, cet overlay du coup je vais pas le refaire, il ira très bien pour la vidéo, enfin pour le live. De quoi partir dessus, premièrement on va déjà aller importer un fond. Donc faut savoir, moi j'ai de la chance parce que j'ai du coup le pack GFX de tout Supercell, donc j'ai beaucoup de fonds. Et donc première chose, déjà on va sélectionner un fond. Donc je pense qu'on va partir sur un fond comme ça, ça me dit plutôt bien. Après je sais pas, non là vous les voyez pas, mais du coup je vais partir voilà sur un fond comme ça. Je pense que c'est le fond basique, mais ce qu'on va faire c'est qu'on va le retravailler un petit peu, donc on va déjà lui changer la couleur. Déjà voilà. Donc on va aller dans images, réglages, teinte et saturation, coloriser. Je vais mettre à 0, voilà. Ouais non, je suis pas trop fan de ce fond en fait. Ou plutôt essayer d'en trouver un autre. Celui-là sera peut-être mieux. Ah oui, celui-là est largement mieux. Parce que j'ai pas l'espèce de grosse bulle au milieu. Donc c'est plutôt cool. C'est gratuit Photoshop? Non, Photoshop c'est payant. Je sais plus si tu peux l'acheter en une seule fois ou si c'est un abonnement. Il me semble que c'est un abonnement, mais je suis pas sûr. Donc voilà, on va partir sur ce fond. Et on va essayer de le coloriser. Donc là, je partirais bien sur du rouge. L'avantage c'est qu'on voit plus rien, c'est cool. Ouais, le problème c'est qu'on voit vraiment pas
quand on colorise. Bien, je vais peut-être rester sur un truc comme ça. Ouais, c'est vrai que c'est dommage. Après, gratuitement, je peux te conseiller Pixelair. C'est un site sur lequel tu peux faire à peu près pareil que Photoshop. Perso, moi, je préfère moins parce que bon, t'auras pas toutes les fonctionnalités qu'il y a avec Photoshop. Après, Photoshop, c'est très facile de le crack, hein. T'es pas du tout obligé de le payer. Mais ouais, c'est très facile de le crack Photoshop. C'est quoi, j'aime beaucoup ce fond-là. Bon, je pense qu'on va partir dessus. Alors, après, il va falloir qu'on trouve un cadre. Donc, je vais retourner mon pack. Déjà chercher des éléments. J'aimerais bien mettre un petit brawler. Un petit spike, ça peut être cool. Que je mettrai en bas à droite de l'écran. Donc voilà, faut savoir que là je vais faire mon overlay brut. Donc c'est-à-dire en gros je vais mettre mon spike ici, je mettrai le tour pour mettre l'écran, etc. Le contour de la webcam. Tout ça, ça je vais y faire sur Photoshop. Mais après il faudra bien que je remette le spike, etc. en dehors dans un autre pack. C'est-à-dire que je les sélectionne en plus entre guillemets. Pixelair, non, Pixelair c'est P X L R je crois, il me semble. Je te dis ça. Ouais, c'est P I X L R. C'est un site web sur lequel tu peux faire à peu près pareil que sur Photoshop. Donc je prends mon spec comme ça. Je pense que le mieux ça serait directement ouais non, non, ça va être trop compliqué. Mais si je fais fichier ouvrir, est-ce que là vous voyez mon truc ou pas? Ah non, c'est ça qu'il faudrait que j'essaie de faire. Voilà, ça. Comme ça vous pouvez voir à peu près à quoi ça ressemble. J'ouvre un fichier. Nickel. Donc hop. On va aller chercher un petit truc. Je mettrais bien le logo de Brawl Stars. Après j'ai pas le nouveau du coup. Donc non du coup. Pour mon tour, je dois en avoir déjà des tours qui soient tout prêts. Avant que je me retrouve dans mes dossiers, moi. J'ai du mal. Hein. Essayer de trouver autre chose. Je pense qu'un petit truc comme ça peut être sympa. Ok. Maintenant, je vais essayer de chercher un petit truc.
c'est du coup, hop, ça faut que je l'enlève. Yeah. Attendez, je cherche un truc. Bah yes. Donc là j'ai plus de dossier. Bon bah yes, c'est-à-dire que j'ai supprimé mon dossier sans faire exprès. C'est super cool. Oula, c'est quoi ça? Attendez. Ah ouais, bon, ok. Bon, bah non, j'aurais plus alors. Mais bye, bye, Deadshot. A plus. Faut que je mette dans la tête déjà ce que je vais remettre. Parce que là, ce cadre-là, il vient de quel dossier là? Ouais, il vient de réclamer plus de dossiers en fait, c'est ça. Yes. Je dois pouvoir revoir. Attendez. Au pire, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un cadre directement sur Photoshop. Comme ça, je pourrais intégrer peut-être un petit logo. Donc, on va prendre l'outil. On va le mettre en 30. Je vais faire un cadre, on pourra toujours le. Voilà. Donc, là, je vais avoir mon overlay, donc il va partir comme ça. Un petit peu plus petit quand même. Comme ça. On va le monter un petit peu. Nickel. Maintenant, on va dupliquer le calque. Pour avoir notre deuxième marque, on va venir mettre parallèlement à celle-là. Nickel. Après, on va aller mettre ces deux barres-là. Enfin, on va encore dupliquer la deuxième. Qu'on va mettre à 90 degrés. Donc on a déjà un truc qui commence un petit peu à prendre forme. Après au niveau de tout ça, hein, voilà. En bas on est bon. Puis on a juste à aller dupliquer celui-là. Voilà, donc là on aura déjà mon contour de stream. Donc ça sera mon contour là où je vais mettre mon overlay de jeu. On n'a plus qu'à déplacer le spike au-dessus. Merde. Voilà, donc le spike, le principe c'est qu'il dépasse de l'écran. Non, t'inquiète, pas de soucis, Infinity. C'est pour ça, du coup, je sais que du coup t'as pas pu, donc c'est pas grave, j'essaye de m'en faire un moi-même. Ce sera pas aussi beau que le tien, forcément, mais j'essaie de me débrouiller. Maintenant, je sais pas si on va prendre plusieurs cales comme ça. Donc on va devoir le faire un à un. Image, réglage, teinte et saturation. Coloriser. Donc là c'est cette barre là qu'on va faire en première. Déjà on va le mettre en rouge. Je sais pas si vraiment c'est le mieux le rouge, on verra. J'aimerais bien un bleu aussi.
On va se mettre en 240. Image, réglage, saturation. Nickel. C'est vrai que ça j'aurais pu le faire avant, effectivement. Nickel. Merde. Bah oui, c'est vrai. Faut coloriser d'abord. Bon. Déjà, on a notre carré. Ça, c'est nickel. Donc là, c'est là où j'aurai mon overlay. Ce que je voulais faire du coup, c'est incruster un petit logo Brawl Stars. Voilà. Je voulais me faire un petit truc comme ça, voilà. Je trouve que c'est assez sympa. Ou peut-être même le mettre en bas. Et oh, peut-être faire un petit rond avec mon pseudo, ça pourrait être sympa. Hop, faut que j'arrive à trouver une règle. Ouais, je vais me mettre à la moitié. Nickel. Donc là, je suis en 1442, 542. Je vais mettre en 742. Bon, il y aura à peu près pareil. Yomuji, comment tu vas? Ah bah, Infinity, alors je te ferai ça, comme ça, moi, tu pourras même peut-être me donner des conseils pour que je puisse m'améliorer ou des trucs comme ça. Je veux bien Infinity, ouais. Après, tu sais, ouais, je suis pas très très moins sur Photoshop, hein. Donc le calque, c'est le calque 2 en haut. J'ai il me faut une vraie gomme parce que. Oh, nickel. On peut pas. Ah si, c'est bon. Voilà, nickel. On va vous enlever les règles. Hop. Quoique celle-là, on va peut-être la laisser en fait. Hop. On va prendre notre texte. Petit texte. Nickel. La police, on va prendre une police que j'aime beaucoup. Non, en fait, non, il me faudrait vraiment une autre police, ça ira pas. Tu m'envoies tout ça dans le salon, tu vois. Bah, nickel, ouais, je veux bien, merci Infinity, super cool. Ah, ça, j'aime bien. Ça se trouve là t'es en train de te dire oh putain qu'est-ce qu'il fait.
Et maintenant. Merde, non, je suis en... Ah putain. Enfin, je fais un truc, c'est pas ouf, hein, les gars, mais moi, perso, ça me plaît bien. Non, je trouve qu'il manque peut-être un petit truc. Police masque, non, non, Muji. Bon courage, ouais, merci, merci, Infinity. Muji, non, c'est pas la police masque. Masque, c'est celle que j'utilise pour faire les. Enfin, que j'utilise souvent pour Acti. Non, là, c'est la police molotte. J'aime beaucoup aussi. Mais ouais, perso, j'aime bien pour l'instant. Peut-être juste changer la couleur, je sais pas vous. Bah j'aime mieux. Je sais pas, mais... Enfin moi je trouve mieux. Après, enfin c'est peut-être... que moi, mais... J'aime mieux comme ça. Hop, maintenant le Spike, on va revenir un petit peu sur toi. Parce que là, t'es pas ouf, là, on va pas se mentir. Maintenant, contrôle T. Merde. Merde, putain, comment on fait? Ah oui, c'est ça. Édition. Transformation. Nickel. Merde, bah, du coup, ouais. Merde. Je galère, hein, est-ce que ça se voit? De ouf. Les traits comme ça? De quel trait tu parles, Muji? Non, ok, j'aime pas du tout. On va passer par l'outil directement des ombres. Parce que ça me plaît pas. Hop. Surtout qu'en plus, je l'avais mal commencé mon ombre. Essaye de mettre un écran pour voir ce que ça donne avec un écran à l'intérieur. Mais je peux pas encore la Muji. Là, l'overlay est pas prêt du tout parce qu'il faut encore que je. Tu vois le. Merde, ouais, bah je peux pas. En gros, le cadre bleu avec Aki et le logo Brawl Stars dessus. Ça, il faut que j'en refasse un sur un fond transparent. En fait. Faut que je. En fait, que je reprenne tout ce modèle-là et que je le mette sur un fond transparent. Pour la simple et bonne raison qu'en gros. Comment dire? Si je mets l'overlay juste par-dessus, tu vois, on verra pas le haut du logo Brawl Stars, on verra pas le bas des lettres acquis. Y a un retard de ouf, ah merde!
Pourtant, attends, paramètres de flux. Ouais, latence normale. Ah, mais je suis con! Mais oui, j'ai mis latence normale! Ouais, ma faute, Muji. Ça va que c'est un live comme ça, mais ouais. La prochaine fois, je le referai en. En live. En latence faible. Je suis trop bête. Oh, pas mal. Je pense que vous avez compris ce que je voulais faire. Je sais pas, j'aime pas trop. Ah, ça déjà, j'aime beaucoup mieux. En gros, enfin, j'aurais voulu faire, tu vois, l'ombre en face, en bas, tu vois. Bon, on va faire ça, hein. Moi j'aime bien, ça me va bien, perso. Hop. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre pareil. Les quatre calques. Donc, c'est-à-dire lui, 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 et lui. Contrôle C. Yo Piu, comment tu vas? T'inquiète, t'inquiète. Je dois chercher un truc en bas chez moi, je venais prendre le temps, mais t'inquiète, t'inquiète, prends ton temps. Laisse-le, sinon je te trompe pas sur ton écran. Ah oui, t'inquiète, pardon. Pour le spike, oui. C'était prévu de le baisser, oui. C'était juste le monter pour voir l'ombre comment ça évolue. Je sais pas. Ah, je sais ce que je vais faire là. Je vais enlever juste. Ça et à la place, je vais mettre un truc mieux. Ah voilà, ça j'aime mieux. Ça ou l'inverse, je sais pas. Donc.
Alors déjà, moi, il faut savoir... Merde. Donc, ça, jusqu'à ça. Contrôle T. Moi, déjà, ma caméra est beaucoup plus... comment dire? Carré. Voilà. Oh. Ça, c'est pas mal. Ah merde, ça. Il faut que je skip direct. C'est ça. Allez. Nickel. Donc, au niveau du chat. T'as vu ça, Deathshot? Merci. J'essaye de faire un beau truc, hein. Après, là, bah donne-moi ton avis. En fait, je sais pas si je mets le logo de BS à la place de mon H, tu vois. Ou l'inverse. Je pense qu'en vrai, si je mets ça là, peut-être ça ici, c'est peut-être un petit peu mieux. Ouais, je trouve mieux comme ça en vrai, hein. Nickel. Ouais, c'est mieux comme ça. Donc, on a la webcam qui va être là. Par contre, ça serait clairement pas centré. Voilà, là c'est centré. Donc, on a notre webcam qui va être ici. J'hésite peut-être à changer la couleur de ça. Oula. Merde, contrôle U. Merde. Qu'est-ce que j'ai... Contrôle Y. S, c'est bon. J'allais dire, qu'est-ce que j'ai foutu encore? Quelques 3 jusqu'à quelques... Non. Pourquoi j'ai deux fois cette barre? Bon, du coup ça et ça, tout ça, image. Ah non, c'est vrai, il faut y faire à la main. Bon, contrôle U. Je suis juste pas fan. Je sais pas s'il faudrait peut-être partir dans sur un rouge, non? Pour changer peut-être un petit peu. J'hésite un peu entre un rouge et Et un bleu quoi, parce que bah, ça va, mais en vrai le rouge ça peut être sympa, mais j'ai peur que tu vois ça aille pas avec le bleu. À voir, je sais pas, j'attends vos retours les gars. En attendant, il y aura autre chose que j'aurais bien aimé mettre, sinon en bas à droite. J'aurais pu mettre peut-être un petit truc comme ça. Voilà. Pas directement sur supprimer le calque. Merci Jérémy qui vient de se sub. Merci à toi. Merci beaucoup Jérémy. Super plaisir.
Alors, importer et incorporer. Ouais, j'ai plein de trucs en vrai. Oh, ça peut être sympa aussi d'en mettre. Moi, je suis un grand joueur de Brawl Ball, mais j'allais dire comme beaucoup de monde. Ah ouais, après par contre les gars, moi j'ai eu très clairement toutes les maps quoi. Takedown, ah non. Donc, musique, bon ça s'en fout. Les pins, ah ça peut être sympa de mettre des pins les gars. Genre moi je suis très fan des tous les pins de Spike. Et je pense que directement ça va partir sur des petits pins qu'on va les mettre dans les coins. Ah ouais, comme ça, bah oui. Comment j'ai fait pour pas y penser à l'avance? Quel brawler j'aime beaucoup moi? J'aime beaucoup Tick. Oui, il est là. Non, c'est très clairement pas là. Ça j'aime bien. Salut Black Samy, comment tu vas? Ah j'aime bien ça. Hein. Ah, les deux petits trucs ici, je trouve vraiment ça apporte un truc. Je sais pas. Je sais pas où, mais je trouve vraiment ça apporte un truc. Peut-être que du coup j'enlèverai le logo de BS. Non, ouais, non, non, j'aime bien. Là comme ça je trouve ça vraiment pas mal. Est-ce qu'il n'y a peut-être pas d'autres pins qui sont mieux? Oh lui. Faire le spike comme ça à quoi il ressemble. Ah bon on va directement mettre lui. Ah bah ouais. Faut que j'enlève l'autre du coup. Ah là, par exemple, j'aime beaucoup là. Yo, Perwan. Ok, donc ça pour l'instant c'est pas mal. Je pense qu'on va peut-être un petit peu bosser sur le webcam aussi. Je voulais faire un truc, je crois qu'on peut le faire sur YouTube. Je suis en train de vérifier si c'est possible ou pas. On peut faire un objectif de don. On peut faire boîte d'alerte, donc ça c'est fait. Est-ce qu'il y a un truc genre, par exemple. C'est ça, c'est les étiquettes de stream du coup. All time top donator. Ou par exemple. Last. Bah bien et toi? Donc déjà on va se mettre un compteur de sub, ça c'est évident. Et après au niveau des. Je suis en train de vérifier ce qu'on peut faire. Super chat, sponsor, subscriber. Voilà, le dernier qui s'est sub par exemple. Ça peut se mettre. Ok. Ok, donc ça peut se mettre déjà. Donc je suis content. On va mettre ça du coup. Supprimer. Ok. Et donc on va réutiliser un petit peu ma police. On va dupliquer du coup mon texte. Non, quoique j'ai bien envie de mettre la police de Brawl Stars. Donc il faut savoir que la police de Brawl Stars, c'est la police
appelé Nougat. Donc on va faire un, on va créer un texte et on va le mettre un petit truc d'air. Nier. Voilà, qu'on va mettre en plus bien plus petit du coup. Comme ça on aura le nom, voilà, ici. Après on va du coup changer la police. On va se mettre en police Nougat, parce que du coup j'aime beaucoup cette police aussi. Donc voilà, on remarque bien que c'est, ça ressemble quand même pas mal à la police de BS. Et pour le faire encore plus ressembler à la police de BS, on va lui approcher, on va lui mettre une option de fusion contour. C'est pas là. Contour. On va mettre la taille, bah, un tout petit truc, hein. La taille 1, je pense que ça suffira. Ou même comme ça. En couleur noire. Et là, j'aime beaucoup ce que ça donne. J'aime beaucoup. Du coup, ce qu'on va faire, c'est dupliquer ce calque. Oui. On va l'appeler. Parce qu'un jour, peut-être que ça arrivera. Yo, je suis nouveau. Bah, bienvenue à toi sur la chaîne, Starfino. Et bah, bonne. Comment dire? Bonne fin d'après-midi plutôt, alors Erwan. Bah merci à toi Starfino, merci beaucoup. Je comprends pas pourquoi t'as que 75 abonnés. Bah parce que c'est long pour commencer sur YouTube. C'est très très long pour commencer sur YouTube. Et on va rajouter un dernier truc, dupliquer le calque. Qu'on va mettre là. Qui ça sera le... Qu'est-ce qu'on peut mettre? Je sais même pas quoi dire. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Il y a le follower, donateur et je cherche. Qu'est-ce qu'il y a déjà? Je vais aller voir la boîte d'alerte. Coucou Aki, salut Nina, comment tu vas? Adhésion. Ouais, on va mettre super chatter, ça arrivera peut-être aussi un jour. Ou on va mettre directement dernier don plutôt. Voilà. Juste en dessous d'ici, on va mettre un petit logo YouTube, du coup, fichier, importer et incorporer. Je dois avoir les logos YouTube normalement. Voilà, on va même mettre celui-là que je trouve particulièrement joli. On va le mettre en 150, pareil, donc la même taille que les pins. On va le mettre juste ici. Non, c'est un petit peu trop grand, on va le mettre en 100, je pense. Nickel. Et juste ici, voilà, on aura le compteur de sub. Nickel. Jusqu'à là, c'est pas mal aussi. Bien, et toi? Ah bah oui, pardon, bien. Ça va, ça va. Oui, j'avais compris, Nini. Sponsor. Je crois qu'il y a... Enfin, il me semble qu'il faut avoir les 10 000 membres pour pouvoir. Ou alors les 5 000 pour mettre un sponsor. Et comme bah, je suis à même pas 200, ça va être compliqué. Pareil pour le super chat. Le seul moyen de me faire des dons, c'est avec le lien qu'il y a dans la description. Bien sûr, avant de. Je précise que c'est pas une incitation aux dons. Hein, au contraire. Mais voilà, la seule. On peut pas par exemple faire de super chat. Parce que là, il faut atteindre les 1 000 abonnés, il me semble. Comme pour la monétisation des vidéos, pour tout ça. Donc ça me semble pas mal. Là on a le logo YouTube. Après on mettra du coup le compteur d'abo juste ici. Est-ce qu'après on ne ferait pas une petite boîte de chat? Ou en gros ça permettrait d'afficher le chat. Parce qu'il me semble que je peux l'afficher déjà là. Si j'ajoute une boîte de chat.
Voilà, on va mettre ça. Boxed. Je veux voir ce que ça rend. Essayez de dire que de parler dans le chat pour voir à peu près ce que ça rend le chat. Pour jouer à peu près à quoi ça ressemble. Bon, je sais pas si ça bug ou s'il y a vraiment que deux personnes. Oula. Bon, bah la boîte de chum jusque là. Sur le terme. Ok, donc il faudrait que ça soit dans l'autre sens maintenant. Ah bah non, ouais. Ça par contre c'est pas ouf du coup. Il va falloir que je change un petit peu. Couleur de l'arrière-plan déjà, on va le mettre bleu, hein, pareil. Voilà. Hop. Après, paramètres de la police. Source. Le thème, si je mets old school par exemple. Non, t'inquiète, pas de soucis, Titi. Tranquille. J'essaie de voir du coup si ça. En attendant, là je suis en train de tester un petit peu les boîtes de chat, tu vois. Chunky, ça rend quoi? Ah, j'aime bien ça. Essayez de parler encore un tout petit peu sur le chat pour que je puisse voir ça. Enfin déjà pour l'instant j'aime bien ce que ça prend. Du coup je sais pas si je mets une boîte de chat. La dernière ligne ne devrait pas être là. C'est-à-dire Ah oui, je comprends. Ouais, bah ça, j'essaie de voir si on peut le modifier, mais j'ai pas l'impression. Oula, là, ils vont me demander de coder du HTML, je bégaye. Tu veux que j'invoque? Bah oui, pourquoi pas. Je t'attends dans le Spike si tu veux. Je t'attends dans le Spike, je te fais un partage d'écran, comme ça au moins tu pourras me. Mais de quelle ligne tu parles, Starfino? C'est ça que j'ai pas compris. C'est tu parles de quelle ligne? Si tu parles de la petite ligne, pardon, qui est tout en bas ici là. Ça, je dois pouvoir l'enlever, oui, effectivement. Mais c'est juste que c'est comme c'est la personne qui a créé le fond. Tu vois, pour moi, ça se. Ouais, si. Oh merde. Yo, le boss. Tu vas bien? Allô? Voilà. Tu m'as parlé ou pas? Je demandais comment ça allait. Ah ok, non désolé, c'est parce que j'ai T'inquiète. Voilà, donc la pas petite barre en bas. Ah, à moins que tu parles de la dernière ligne du chat. Si c'est ça, la dernière ligne du chat, je peux rien faire. Parce que, enfin, ça fait de bas en haut et pas de haut en bas. D'ailleurs, c'est pas ouf. Mais ouais, je sais pas comment ils ont dit ça. Donc je pense que c'est pas possible. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas mettre de chat du coup. Je ferai directement avec le même fond, etc. Une partie où je mettrai directement la webcam avec le chat. Ce sera plus facile. Ce sera Mais tu voulais mettre tout ton chat en bas à gauche? Et pourquoi? Enfin, j'en arrivais, mais du coup, pourquoi ça fonctionne? Parce qu'en fait, Enfin. enfin, quand il y a un message. Ouais. Les messages arrivent, tu vois, en bas. Bah ouais, c'est logique. Et du coup, c'est pas ouf parce que.
Là encore, tu vois, il y a. Parce que quand t'as qu'une seule personne qui parle, par exemple, t'as la ligne comme ça qui arrive. Ah ok, tu voudrais que ça commence directement en haut. Directement en haut, ouais, bah oui. Parce que là, par exemple, bon, j'ai de la chance, c'est un des lives où il y a le plus de chat. Alors pourtant, c'est même pas du BS. Mais du coup, ouais, quand il y a pas beaucoup de messages, du coup, c'est pas ouf. Et tu me disais quoi, pardon, Fino? Je trouve que la dernière ligne ne devrait pas. Enfin, attends. La ligne dernier don, j'essaierai de la mettre à côté des derniers followers. Je peux pas faire ça parce que. Tu vois, si je fais comme ça. Directement, en fait, du moment que le pseudo du follower va être long, ça va être compliqué. Donc, je peux pas faire ça. Décale-le un peu à gauche ton dernier don, sinon c'est pas aligné avec l'autre. Par contre. Ah, c'est bon. Nickel. Donc ça en est bon. Le compteur de sub ira juste à côté de du logo YouTube. Et prends, t'as mis un compteur de like ou pas, non? Non, parce que je crois qu'on peut Pas pas, tout encore. simplement pas. Attends, je regarde ça. Ah bon? Étiquette de stream. Non, non, c'est pas là. Si, c'est là. Non, non, attends. Compteur de spectateurs. J'ai le compteur de spectateurs par contre. Que je peux mettre comme ça. Souvent je le mets en haut à gauche. Donc là bon c'est dans la webcam donc ça va pas être ouf. Mais je peux le mettre en bas vraiment. Et du coup, enfin c'est un truc tout simplement que je vais pouvoir mettre. Enfin si je mets un gros truc comme ça, c'est pas ouf quoi. Surtout pour j'aurais genre 1000 viewers, tu vois, si tu peux dire. Mais ouais, si avec juste un petit 3, c'est pas ouf. Salut Alpha, comment tu vas? Hop. J'ai juste essayé. Ah, j'ai été notif. Ah, ok, c'est rien. Hop. Donc, j'essaierai juste de rajouter peut-être un petit truc, un brawler peut-être en bas. Je peux peut-être essayer de mettre un truc en bas. Importer, incorporer. Je vais essayer de mettre un brawler mais qui sera dans l'autre sens. J'ai un col comme ça qui peut être sympa. Un crow, c'est pas mon truc. Celui-là, on peut tenter. Attends 2 secondes, je réponds juste au bout. Ah, je sais quoi faire là par contre. Puisque c'est un truc que j'ai déjà fait. Importer et incorporer. Est-ce que je vais y arriver ou pas? Là, si je le mets pas à 90 degrés. Non, c'est pas ouf. Ah, j'aurais pu essayer de faire un truc, mais ouais, non, c'est pas ouf. Dommage. Tu veux faire quoi? Tu voulais tester quoi? Ah, je sais pas, c'est fini, on verra bien. Du coup, cette application au niveau des montages. Ah, on verra bien. Mais merci. Je sais pas, faut que je teste un truc pour Poco. Là, tu vois, j'aurais voulu peut-être un truc, tu vois, qui déborde un peu sur l'écran là. Mais si je mets le Poco, sauf si je l'agrandis un petit peu. Je bug. Ah, ah non, quoique, si je le mets comme ça.
Ça peut être sympa comme ça. Bon, maintenant il va y avoir le plus compliqué. Donc déjà je vais enregistrer mon fichier sur l'ordinateur. Je vais l'enregistrer directement dans le bureau en format Photoshop. Déjà, de 1. Voilà, je vais l'enregistrer ici. Voilà. Directement. On va maintenant l'enregistrer également en format JPEG. Il ou le JPEG, il est là. Voilà, et du coup, c'est ça que je vais pouvoir vous faire voir. Donc, je vais créer une nouvelle scène. Donc, c'est normal si vous allez. Je te quitte, à plus. À plus, Starfino. Merci à toi d'être passé. Donc, on va maintenant essayer une nouvelle scène. Donc, c'est normal si vous allez rien voir. Hein, je préviens. Et je vais directement faire une capture d'écran. Ce sera plus facile. Ça, vous allez très clairement pouvoir voir ce que moi je vois. Merci à toi aussi. Donc déjà, je vais prendre mon overlay. Donc là voilà, ça va être mon overlay. Le truc c'est que du coup, bah je vais pouvoir enlever ça. Le truc c'est que si tout simplement je mets directement, donc je vais mettre ma capture d'écran là par exemple pour l'exemple. Attends, le stream il. En gros, si je mets mon jeu juste comme ça, vous allez voir. C'est pas franchement ouf parce que. Enfin, il y a tout qui est en dessous, quoi. Donc, je vais devoir faire un truc assez compliqué maintenant. C'est récupérer mon cadre, le mettre sur un fond transparent. Et récupérer mon brawler, le mettre sur un fond transparent. Le Poco, par exemple, je l'ai déjà. Donc, pour savoir comment je vais faire, en gros. Ça va être simple. Je vais ajouter une source directement. Et je vais aller chercher mon fichier. Ici. T'as fini les cours? Bonne journée ou pas, Nathan? Attendez, on va baisser ça. Bon. Ok, je crois que je vais trouver une autre solution. En fait, ça va être de supprimer ça. Oui, en fait, ouais, je suis juste un petit peu bête. Ouais, bah ça va nickel, Nathan. Là, je suis en train de faire mon petit overlay que je mettrai quand je streamerai sur BS. Et du coup, on va enregistrer. On va juste enlever ça. Puis, fichier. Exportation. Exportation. Pour le enregistrer pour le web, voilà. PNG24, transparence. On est bon. Enregistrer. Voilà. C'est enregistré. Je vais revenir directement là-dessus. Plus.
utilises Photoshop? Oui, j'utilise Photoshop, Nathan. Et voilà ce que ça va rendre du coup. En vrai, alors je savais même pas que je pouvais faire ça et je suis content d'être y arrivé en fait. Comment faire pour le craquer? Bah, à mon avis, tu cherches sur YouTube et tu trouveras facilement en attendant un Photoshop, ça doit être le logiciel le plus craqué au monde. Donc je pense que tu n'auras pas de soucis pour trouver. Pareil, donc là je vais pouvoir rajouter ma webcam. Voilà, donc ma webcam elle est réglée. Sympa, pas. Attends, je vais juste essayer de me recadrer un petit peu. Nickel. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression d'être tordu sur la webcam, c'est bizarre. Donc, après, on va ajouter directement comment ça s'appelle? Une étiquette de stream. Donc, on va appeler compteur d'abonnés. Et de zen. Et là, on va aller sélectionner subscriber, total subscriber. Famille de la police, on va mettre la police masque. Non, c'est vrai qu'on peut pas. Donc on va mettre la police nougat. Style de police régular, taille de la police, on pourra toujours la réduire. Terminé. Donc là, juste là maintenant, j'ai mon compteur de sub. Après, on va aller ajouter encore une étiquette de stream. Ajouter une source. Que cette fois, on va appeler dernier follower. Ajouter une source. Voilà. Pareil pour la police, on va mettre un police nougat. Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on active un petit truc là, transformer? Après, on va ajouter un dernier truc qu'on va appeler dernier donateur. Most recent donateur. La police, on va choisir Nougat.
Bon. Ça pareil, hein, je le mettrai. Bon, le dernier donateur, c'est compliqué d'en mettre un tant qu'il n'y en a pas. Donc pour l'instant, je vais pas pouvoir les mettre. Mais comme ça, quand j'aurai mon premier donateur, bah, tout sera prêt. Bah, j'aime bien le système bioche. Les pins, là, je trouve vraiment ça super classe. Bah, je trouve que c'est bon. Donc on va partir là-dessus du coup. J'aime bien comment ça se présente. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper directement la capture d'écran pour vous mettre, enfin pour aller regarder un peu mes notifs. Nickel. Ça après du coup, je vais voir le jeu. Bon. Voilà donc comment ça va se présenter. Je trouve que c'est assez sympa. Donc je vais vous faire une petite game du coup. Pour ceux qui vont dire que je suis sur PC, c'est juste pour le test, hein. Parce que le truc c'est que je peux pas et jouer sur mon tel. Et vous mettre la webcam en fait. C'est assez compliqué. Bah, c'est même pas possible en fait. Quoique. Ah si, en théorie je pourrais essayer de vous faire ça. C'est moi 5 minutes. Halfway through a bottle, baby. Nothing to know.
Ouais, bah je me rends compte que je parle un peu dans le vide, c'est cool. Donc en gros, je me rends compte déjà qu'il y a des choses que je modifierais, hein, à savoir ça. Parce que si ça commence à venir sur l'écran, ça va pas être ouf. Donc voilà, déjà ça, ça sera mieux comme ça. Après. Nickel. C'est quoi ça? Je sais pas trop ce qui s'est passé, va savoir. Yo MT, comment tu vas? Ah, c'est Walid. Comment tu vas, Walid? Ça va bien et toi? Parce que ça, du coup, j'en ai forcément besoin. Déjà, ouais, j'avais dit que je modifierais, du coup, ça sera plus le dernier don. Ça sera directement. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça, du coup, je le modifierai pareil hein. Sur l'autre aussi, et ça, du coup, ces trois là, on va les mettre non ici en vrai, sinon ça peut être bien. Et après, on va aller rajouter des brawlers du coup, parce que sinon, hein, c'est pas drôle. Donc, importer et incorporer. Non, je joue pas BS là, du coup, là, je suis en train de faire mes overlays de stream Walid. De qui me serviront quand je restreamerai sur BS. Ce qui peut arriver très bientôt, on va dire. Je verrai si ce soir je peux pas essayer de stream aussi. En vrai, j'aimerais bien ce Poco là, hein. Là, je mettrais bien notre truc aussi en 3D. Importer et incorporer. On va prendre autre chose. Je mettrais bien un petit croc là-bas en bas.
Bon là celui-là il va pas être très travaillé hein. Voilà, je pense que ça, du coup, ça suffira, hein. Ah, mais par contre, ce que je vais faire, c'est... ouais, le crow, du coup, je vais devoir l'enlever. Parce que je vais faire autre chose. C'est-à-dire qu'en gros, je vais mettre le chat à gauche. À droite, pardon. Et que du coup on va prendre l'ours comme ça. Et que fichier importer et incorporer. Bon ça je le mettrai à la fin. J'ajouterai un branleur. Mais c'est-à-dire du coup que ça me semble plutôt bien. Et que du coup on va l'enregistrer sous. Que je vais l'appeler. Et je l'ai enregistré en PSD, c'est cool. Sur votre ordinateur. Yoneko, Rueruan. Ouais, ça dev dur, j'essaie de me faire de beaux overlays, Neko. Nickel, du coup on va enregistrer, on va réenregistrer ça du coup. Ah oui, non, on avait dit que du coup c'était le plus gros don. À la place, nickel.
et que du coup j'enregistrais ça pareil, fichier enregistré sous. Voilà, puis maintenant on va aller désactiver ça. Attendez. Ça, Photoshop n'a plus l'air de vouloir répondre, on va le fermer. Bon, de toute façon, si nous intéresse, on va couper le PSD. Non. Voilà. Voilà, donc on voit toujours l'écran, c'est nickel. À la place du plus grand nom, je recevrai le meilleur don. Ah, je sais pas, j'aime bien mon plus gros don. Meilleur don, je sais pas, ça me semble le meilleur. Enfin, le meilleur, c'est pas forcément le plus gros, entre guillemets. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Du coup, on va changer cet overlay là. Yel. Ah, et je crois qu'ils ont directement été remplacés en fait. Ah oui, bon, oh. Si c'est pas nickel tout ça par contre. Après, on a le début de live. Donc lui, il dégage. Voilà, c'est ça, Erwan, t'as tout compris. Du coup, voilà, je vais pouvoir enfin tester le truc que je voulais faire. Donc, on va mettre bon, les tout ce qui va être boîte d'alerte, tout ça, on finira après. Cap. Non, attends, c'est pas ça. C'est la boîte de chat qui est juste là. Attendez, sur cette scène-là, on est la boîte de chat combien? Yes. Donc c'est la une qu'il faut mettre, ok. Quand du coup bah je finis le stream et on vogue si tu veux Neko. Après j'irai peut-être pas sur Apex parce que bon j'en ai fait pas mal cet après mais ça m'a un peu gavé. Mais si tu veux ou alors quelques games. Je sais pas. Quelle heure ça dépend du coup. Enfin. Là, je vais sûrement finir dans max une vingtaine de minutes. Même non, je pense même beaucoup moins vu que là j'ai quasiment fini. Je pense d'ici 5 minutes ça devrait être bon.
Ok, pas de soucis, je fais ça, Nico. Oui, alors ça, Erwan, justement, j'allais sûrement en parler. Mais ce live-là, je vais en faire un oui ou non. Enfin, oui et non. Dans le sens où, en fait, c'est mon compte principal. On va dire que comme j'étais en vacances et j'avais pas de co sur mon PC, j'ai intégralement fait toutes mes quêtes du coup sur mon compte principal. Et je suis déjà palier 70 depuis bien 2-3 semaines. Du coup, ce que je vais faire, c'est que si je live. Là, en fait, à partir d'aujourd'hui, j'ai arrêté de faire mes quêtes pour qu'il m'en reste un petit peu à la fin de saison. Et dans ce cas-là, ça sera pour obtenir des boîtes pour débloquer Ambre. Et je ferai un deuxième live, par contre, là, sur mon deuxième compte, où je ferai toutes mes quêtes. Et j'en ai bien beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je pense que ça va bien durer 2-3 jours d'arriver à bien tout faire, quoi. Avec des gros lives, à mon avis. Mais oui, je sais que c'est un live des lives qui avaient beaucoup plu, du coup c'est pour ça que j'ai quand même envie de continuer à les faire quoi. Donc cette scène-là, du coup, je vais pouvoir la supprimer. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Oui, c'est ça, mais je pense que je ferai aussi des lives où je jouerai avec vous directement. Après ça, il faut vraiment que je me mette d'accord sur l'horaire pour qu'il y ait le maximum de monde possible. Parce que si on est sur une moyenne de 3 viewers comme maintenant par exemple, ça va être compliqué de jouer avec vous quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais voilà quoi, c'est ça en gros que je voulais expliquer. C'est que faudrait vraiment une bonne moyenne de viewers, faudrait qu'on tourne aux alentours de 10 quoi. Ça serait vraiment cool, je sais que c'est beaucoup. Et c'est pour ça que je vous demande, si possible, du moins, de mettre des pouces bleus, des commentaires. Ça augmente un petit peu le référencement, même si je sais que la chaîne est toute petite. Et n'hésitez pas surtout à partager. Ça fait super plaisir et ça me fait, c'est ce qui me fait le plus augmenter. Donc voilà, je vous remercie déjà d'être présent sur ces lives comme ça fait super plaisir. Et du coup, ça devrait être fini. Sur le Discord, c'est-à-dire Erwan. J'ai pas compris là par contre le Discord. Ça devrait être fini. Sur le Discord, c'est-à-dire Erwan. Ok, non, je vérifie un truc. Bah, fait de la pub, ouais, mais ça, tu me connais bien, Neko, j'aime pas trop pub. Enfin, surtout, enfin, toi, tu dois le savoir. Mais je pub pas trop. Par contre, je pourrais pub si sur le serveur Playgame. Parce que ça se met à jour, Erwan, toutes les 60 minutes. Parce que c'est. En fait, c'est le seul compteur qui marche. C'est le seul compteur qui marche sur leur truc et c'est. Au maximum, ça prend 60 minutes, il me semble, pour se mettre à jour. Mais bon, ça c'est pas grave. Ouais. Ah non. Ça peut mettre 60 secondes, pardon. Ouais, 60 minutes, ça me semblait beaucoup. Bah, je sais pas pourquoi ça reste à 176. Pardon. J'allais vérifier ça. Mais je pense que c'est parce que je suis à 176, tout simplement. Ah non, 177. Bon bah je sais pas, ça doit bugger un petit peu mais c'est pas grave. Je vais créer un salon, merci beaucoup Neko. Du coup je vous invite à rejoindre le Discord si c'est pas déjà fait les gars.
Le Discord, il est en description, il me semble. Ouais, c'est ça. C'est le Discord Play Game. Du coup, voilà quoi. Donc, bah, je crois que ça vous fait voir. Du coup, voilà, c'est celui-là le Discord. Donc c'est le Discord Play Game. Donc il est encore en construction, hein. Il est pas terminé, mais du coup pendant que je peux vous le présenter, voilà comme ça, vous avez un salon, donc le général, sur lequel vous pouvez parler de tout, hein. Il est là pour ça. Vous avez un challenge juste en dessous qui s'appelle choisir vos rôles. Donc là vous allez pouvoir choisir quel joueur vous êtes, si vous êtes un joueur PC, Xbox, PlayStation ou téléphone ou mobile. Donc vous appuyez sur les réactions, 1, 2, 3, 4. Et ça vous donne le rôle automatiquement. Puis après vous aurez les jeux, donc Apex, Brawl Stars et Among. Among ça marche pas mal en ce moment, donc c'est pour ça que je l'ai rajouté. Apex c'est parce que on est pas mal quand même à jouer aussi. Puis vous avez le rôle Brawl Stars. Après vous avez plusieurs en fonction des rôles que vous vous êtes attribués, vous allez avoir des salons, donc le salon Apex pour ceux qui jouent Apex avec le VOC. Après vous allez avoir le salon Among Us, donc le salon pour trouver les mates. Donc là vous avez le droit de ping @among, etc. Puis le salon Brawl Stars, donc @Brawl Stars. Vous pouvez demander qui veut jouer. Après vous avez vos salons room pour pouvoir voc. Je pense qu'on va en rajouter parce que c'est vrai que 3 c'est peu. À part pour Among où 3 ça fait déjà beaucoup. Puis bah, j'espère voilà que le Discord va fonctionner. Neko me dit qu'il est en train de voilà. Il a créé un salon d'annonce. Donc je publierai du coup les lives. Et les streams quand je serai ici, donc faut savoir que maintenant je live et sur Twitch et sur YouTube. Donc sur YouTube ça va être principalement du BS, donc je vais faire des lives soit avec vous, soit faire mes quêtes, soit en ce moment j'ai commencé hier à live des lives plutôt pour Rush. Donc j'ai été aidé de Polo, Neko et Nicolasette en fin de soirée, donc merci à eux pendant que vous êtes là. Puis après sur mon Twitch, on va dire que je vais partir sur divers jeux entre guillemets. Donc sur le Twitch, j'ai live du Apex, surtout. J'aime pas Twitch, bah c'est pour ça Erwan que je continue de live le BS sur YouTube, parce que ma chaîne est actuellement axée sur du BS. Et si je commence à mettre la communauté BS sur, enfin à mettre le contenu BS sur Twitch, forcément je vais perdre du monde et c'est pas ce que je veux. Du coup, comme Apex, forcément, c'est un truc qui marchera moins bien sur ma chaîne principale, étant donné que c'est une communauté BS, je préfère stream directement Apex sur Twitch et Brawl Stars ouais, YouTube, pardon. Donc, au niveau de YouTube, j'essaie de stream le plus possible sur BS en ce moment. Soit des lives rush, soit des lives pour faire les quêtes, mais ça, c'est surtout en fin de saison. Je vais faire des lives, j'en ferai un pour la découverte de la nouvelle saison. Puis voilà quoi. Salut Cocox, ça va bien et toi? Puis au niveau du Twitch, le Twitch, on va dire que je vais être très très actif. Le Twitch, je vais live assez souvent quand même parce que je joue beaucoup à Apex. Et bah dès que je vais jouer maintenant, je vais essayer de stream le plus possible. Et on va enchaîner les lives. Du coup, voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est en description. C'est voilà mon Discord à moi. Ça vous permettra d'être notifié quand il y a un stream, etc. Oui, en sachant que. Ouais, si je pense à clip, ouais. Si je pense à clip. Ouais, c'est vrai que je peux faire des best-of sur BS. Rien que hier, on a fait des trucs avec Nico et Polo, mais. Wow. Des moves vraiment incroyables. Et c'est vrai que c'est possible avec la collaboration de Neko qui m'aidera à faire les best-of, hein. Je te fais confiance. On essaiera de faire des trucs, ouais. Ouais, donc voilà pour ce qui en était de la diffusion en direct. Apple aussi, live. Donc j'espère que le live ça vous aura plu. Merci, oh, la vidéo, la caméra. Merci d'être resté jusqu'au bout. Merci Erwan d'avoir participé du coup, enfin d'avoir beaucoup participé sur le live. Puis merci tout le monde d'être passé. C'était acquis. Puis sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et on se revoit sûrement ce soir pour un petit stream sur BS à partir de 20h30. À plus!
Salut tout le monde.